Mesdames, Messieurs, il y a des organisations haïtiennes qui surnomment Tetio, organisations qui défendent les droits de l'homme. Et moi-même, très souvent, je relis aux organisations qui défendent les droits criminels. Pour quelle raison qui fait relis comme ça? C'est pas parce que nous pas jamais une existence de ça, les nous avons besoin. Par exemple, en regard de comment je n'ai disparu dans la capitale pays, nous pas jamais entendu des organisations parler sur cause ça pour dire. Poser l'état des questions, m'en décoté moun sa ou passe kap disparaître, nous pas jamais entendu yo. An nous garde comment bandi ap rentre la kay moun al terrorise yo, nous pas jamais entendu qui sa l'état dit dans question ça. Mwen gen yon groupe Telegram, kote m partage des images ensemble avec nous, kote bandi a violé jeune fille, a brûlé, coupé tête, mette babouquette nan bouche yo. Image sa yo, moun yo wè yo tout, yo pas jamais dit rien. Mais nous wè présence moun sa yo, c'est chaque fois gen yon bandi qui tombe, alors moun sa ou se défenseur bandi, yon pa défenseur droit moun, yon pa moun ki la pou kapab aider yon société avancer dans toute tranquillité. Gen yon citoyen sa ki rele Ramolien Adler qui te tombe nan Miragouane pendant l'tal chache yon kob kidnapping, et bien l'tal bari bab pou bab avec Muscadin, et sotande a la li absent, comme commissaire a toujours fait konen. Dans la juridiction par là, bandi pap vin taye banda, c'est li met li. Et bien, jodi an la, gen des organisations qui présentent nan mikou la presse pour mande l'État central pren responsabilité yo rapide rapide avec yon criminel tan kou Muscadin kap exécuter moun ki hors de travail li, ki pa kon place li pour organisation sa yo. Place yon commissaire, c'est nan tribunal, fait jugement et mais place li c'est pas dans la rue à exécuter moun marché tan kou tonton makout à vide bal sou moun. Et bien moun sa qui prend défense Ramolien Adler qui mandé avec l'État saisi dossier ça parce que c'est dernier goutte d'eau qui pour renverser nan vasa yo pap accepter gen l'autre innocent encore qui tombé nan Miragouane. Dossier li compliqué et nous pral fon coup de pied tout nan Fontamara tout primatisan côté l'État mette pied à terre pour le capable participer dans un programme qui est le marché contré avec Timaliré. C'est pour ça avec divers notes qui parle fait essentiel actualité nous pour aujourd'hui. Sans nous pas perdre du temps en nous rentrer dans détail avec plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH et yo même qui mandé avec l'État prend responsabilité yo faire en façon pour stopper action Muscadin a fait dans Nipio. Entendez yo ensemble dans Miko la presse. Mener et nous t'a dit toutes les procédures là au nom de la vindicte publique. Donc ça veut dire en réalité vous supposez en d'un tribunal là ou à demander au juge la parole ou à mettre nous dit des accusations sous tapia et ou à soutenir accusation et tout ça veut dire l'éclair qui nous même essayons c'est à ça que nous appartenons nous à un commissaire du gouvernement. Nous gagnons, je ne dis pas, le magistrat Muscadin, qui lui-même préférait gagner Zamni Nameni, lui accompagner le tout un groupe de monde qui gagne Zamni Nameni tout, et tout pas fait partie de l'institution policière là, et lui ériger en des véritables justiciers. Maintenant, je ne dis pas, en fait, au-delà de la dernière exécution, ça, côté que nous tendez qui gens que même pas même qu'à expliquer qui raison que il t'a tué et jeune garçon ça au-delà de dernière exécution ça nous même nous pensons que en fait c'est tout comportement magistrat qui est questionnable d'ailleurs dans ce sens ça tout RNDDH à plusieurs reprises adressé des correspondances à ministres justiciaux différents ministres justiciaux au moins trois là on a parlé par exemple de ministre Dorsé nous adressé correspondance nous adressé correspondance tout à ministre et au fait, et même j'entoure, nous avons adressé dernièrement correspondance à ministre Hercule pour demander de décider sur le comportement magistrat. Maintenant, c'est pas. C'est certainement dommage pour nous qui mourir, mais pour nous-mêmes, au niveau du RNDDH, écoutez, nous pas saisi, parce que nous toujours dit, depuis nous d'accord que il y a un monde qui gagne droit la vie, à droit l'amour sur le monde, à n'importe quel moment. Eh bien, elle a fini par tuer des gens, par exemple, que et il n'est pas même capable, même raison qu'on a expliqué, qui d'ailleurs passe pas, ou pas qu'à Kembe, même raison qu'on a expliqué qui, pour qui ça a tué l'autre monde.
non seulement même raison ça pas ka kembe yo, mais pour nous même tout c'est pas une surprise tout. Pour qui ça n'a rappelé pour tout le monde que dans constitution il clairement dit que en aucun cas peine de mort pas applicable. Et de toute façon, ça muscade à faire, il pas peine de mort. Parce que s'il était peine de mort, normalement, monde ça t'a supposé juger, il t'a supposé condamner, il t'a supposé juger par un tribunal qui établit déjà, qui déjà dit et qui ça lui reproche lui, faut qu'il gagne, faut qu'il au courant de ça lui reproche lui pour lui-même pour organiser défense lui, faut qu'il y ait possibilité pour faire appel et c'est alors que nous t'a capable dit que et t'a gagné peine de mort. Ça magistrat Muscadet en fait, c'est des cas d'exécution sommaire de la pire des manières parce que par exemple nous songe Jean que l'été exécuté Ougan ça devant yon machine qui plein moun parmi yo des ti moun te dans machine te gen 19 moun dans machine là et li décidé nan fin année dernière là li mandé Ougan descend machine si c'est ou même qui Ougan tel ou a vive le Ougan etc etc devant tout moun li dit virer là ouais li tuer donc ça li inacceptable et li clair que une société qui d'accord ça c'est une société en fait qui lui même a bail un monde pour pouvoir sur lui parce que jodi a li gen droit de vie et de mort et population nous t'as qu'à dire que nous comprenons dans la mesure où population lui même li fatigué avec question insécurité hein? Donc il pensait que c'est meilleure façon hein, pour nous joindre en paix à question insécurité hein? Mais nous même nous dit que non nous gen appareil justice là qui là et il dit que les yon moun li commet un acte selon ça la loi dit faut qu'yo arrêter moun nan faut qu'yo juger moun nan dans les conditions qui respectent garantie la justice li et faut qu'yo condamner li pour ça que yo reproché lui. Donc nous pensons que magistrat Muscadet lui même li leur pour suspendre avec exécution sommaire li yo pour li et en tout cas et déjà commencer par répondre de ça de exécution sommaire li yo. En attendant que le ministère de la justice lui même il décide sous dossier là. Mais jusqu'à présent, sous cause mauvais là, il dit il y a preuve. Écoutez, ça n'a dit c'est pas une question de preuve ou pas. Ça magistrat Muscadet a fait ça paraît le jugement. Lorsque il y a des preuves, le commissaire gouvernement lui-même, il supposé transférer dossier à un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction lui-même bon côté parler qui pourrait chercher des indices concordants pour le dire monde ça oui par rapport à information bien en même temps faut m'envoyer la juger pour qu'a condamner pour ça que pour mettre là commissaire gouvernement travail c'est aller dans tribunal là j'y a juger monde ça pour la soutenir accusation lio pour la dire que oui moi mandé pour yo condamner monde ça à perpétuité à 10 ans à la réclusion etc. sous base ça que nous connaît que monde ça il commet yo et c'est le ça qui a venir à preuve là devant tribunal là maintenant nous gagner magistrat Muscadet lui-même pour compte parler qui érigeait en monde cap juger cap condamner et cap exécuter ça li grave et nous dans RNDDH a demandé tout le monde pour pas attendre laisser une famille pa yo qui victime pour comprendre que ça magistrat Muscadet a fait un grave pas attendre lorsque c'est monde pa nous ou bien monde nous connaît qui victime pour nous dénoncer ça cap fait là inadmissible c'est délit faciès qui a fait c'est garder sous façon monde habillé c'est garder sous façon monde sous cheveux ou bien que pas connait dans zone non c'est sous base ça yo que a exécuté monde li inadmissible et c'est nous tout qui pour dire que non nous pas d'accord ça maintenant qui pression que nous ka faire pression sur autorité pour assurer yo que appareil justice là suffisamment fonctionnel pour que laisse que gen moun yo arrêté que c'est pas en dedans même paquet yo que yo pa lagué moun sa yo que yo arrêté yo mais li clair que commissaire du gouvernement Muscadet ça l'a fait c'est pas ça la loi mandé pour dire et pas oublier journée jodi a pas oublier journée jodi a gagne en pile moun journée jodi a gagne en pile moun qui d'accord avec sa magistrat Muscadet en fait mais magistrat Muscadet a quand même non jour et pour le répondre de ça parce que ce sont des exécutions sommaires Madame, 18 septembre 2024, là, en Conseil des ministres et autorité en place, était procédé à la nomination de cette personnalité pour composer le Conseil électoral provisoire et rapidement tout.
nous parlons nous compte que non représentant droits humains en l'occurrence Gédéon Jean et qui lui-même était voté par au CNH pas fait partie de conseil ça et ça qui t'a poil soulevé en pile question avant que nous entrer dans réponse que nous voulons porter bail la presse là jeudi hein, nous voulons rappeler pour tout le monde que en fait c'est depuis notre commencement processus pour désigner un monde pour représenter le secteur droit monde au niveau du CEP que tu as gros difficultés entre TOHDH avec OCNH qui c'est deux organisations que le conseil présidentiel transition a fait choix de yo pour te mener processus ça et difficulté ça été surtout gagner c'est surtout là parce que en fait deux organisations ça n'a pas de arriver joindre un terrain d'entente sous critères d'éligibilité et critères de participation de organisation yo dans processus là et même gens tout t'es gagné difficulté pour te joindre entente sous modalité traitement donné organisation yo et sous règlement qui t'a dû adopter pour jour vote là mais malgré tout gagné en pile nous t'a dit concession qui fait t'es gagné au moins une réunion de travail que POHDH t'a réalisé avec conseil présidentiel transition dans date 8 août 2024 côté que après réunion de travail ça de part et d'autre t'es gagné engagement qui t'es pris. Conseil présidentiel transition, bon côté Pali, tu es engagé pour continuer à faire ça que nous, POHDH, tu es reproché, surtout implication ou carrément ingérence, conseiller président, observateur sans droit de vote, Finel Joseph, dans le processus-là. Et POHDH, bon côté Pali, tu es engagé pour continuer le processus-là avec OCNH pour permettre que gagner désignation. Ça va permettre que dans la date 16 août 2024, là, organisation yo pour inviter pour yo inscrit organisation droit mon yo inscription ça a été fermé 19 août 2024 te gagné 135 organisations qui inscrit et qui présentaient tête yo comme étant des organisations de droits humains qui a travaillé qui actif sur le territoire national la date 20 août 2024 OCNH avec POHDH a élaboré ensemble une grille pour traiter données organisations qui étaient inscrit yo c'est comme ça par exemple dans grille là yo te entendu que une organisation doit gagner au moins 3 années existence que deuxièmement organisation yo doit bay preuve de au moins 3 activités que yo réalisé pendant 3 années existence ça yo à raison de une activité par année et yo te entendu tout pour que gagner des vérifications qui fait non seulement soumission organisation yo pour assurer que c'est des organisations de droits humains que yo y est et tout sous adresse physique organisation yo. Et c'est là ça que OCNH avec POHDH tout décidé tout que eh bien il a monté une commission pour traiter données organisation yo et commission ça a été supposé gagner là dans un membre POHDH un membre OCNH avec une personnalité indépendante 21 avec 22 août 2024 lorsque nous arrivé dans moment pour traiter dossier justement OCNH pour déclarer que bon il pas d'accord mais était totalité et grille là en pratique ça qui pourrait expliquer que dans date 23 août 2024 POHDH pourrait écrit CPTA conseil présidentiel transition pour lui dire que dans condition ça il pas capable de continuer mener processus là avec OCNH nous connaît ni et notre OCNH bon côté Paris il pourrait décider pour continuer processus là et dans date 26 août 2024 il réaliser élection. Et comme nous connaissons, c'est une élection qui pourrait aboutir à non Gédéon Jean comme on dit sorti élu et qui t'a doué représenter secteur droit moun au niveau du conseil électoral provisoire. Et au niveau de POHDH, nous analyser tout ça qui pourrait le faire pour la suite à part au CNH et nous gagner des raisons précises qui fait que POHDH décide de rejeter le résultat élection ça. Et là, pour passer la parole à Lermi pour nous raison précise qui fait que POHDH rejeté élection au CNH réalisée dans la date 26 août 2024. Pour le POHDH, après analyse qu'on fait sous ensemble organisation au CNH validée et qui participait dans la journée vote qui a réalisé 26 août là, nous rejeté élection ça parce que il va respecter un ensemble des critères qui étaient définis préalablement. Donc, on a souligné, parmi 135 organisations qui étaient inscrites dans le processus-là, il y a 107 que OCNH validé. Il valide 107 organisations, ça veut dire 107 organisations, ça veut dire autorisé
yo participé dans l'élection. Parmi 107 organisations au CNH validé, il y a 14 qui sont organisations féministes et qui sont groupements de femmes. Et organisation des femmes qui les valide, il y a une action nationale pour l'intégration et l'émergence de la femme haïtienne, qui c'est ANIEFA, qui est au CNH validé pour participer à l'élection secteur Douamouna. Il y a une association des femmes avisées des barrières fer, qui est au CNH validé, donc qui est autorisée à voter. Gagner association des jeunes pour l'épanouissement social des communautés haïtiennes et à la protection des femmes. Gagner femmes juristes en action. Gagner ligue des femmes engagées pour la paix d'Haïti. Gagner mouvement social haïtien pour le développement de la femme. Gagner organisation des femmes décidées pour le développement des Terre-Neuve. Gagner organisation femmes cap combat pour la vie meilleure. Gagner organisation femmes voyant code fait. Gagner organisation plateforme communication des femmes, gagner union des femmes pour une nouvelle Haïti et union pour le développement et le respect des femmes haïtiennes et gagner réseau national des femmes syndiquées. C'est 14 organisations femmes qui joignent autorisation qui validée par OCNH pour participer dans vote là. N'a souligné et n'a rappelé CPTA li désigné au niveau de chaque secteur, il y a des processus qui ont mené. Il y a des processus au niveau des secteurs de l'homme, il y a des secteurs femmes, secteurs paysans, la presse, syndicats. Et chaque secteur, ça, il y a mené des processus pour choisir les représentants pour aller dans le conseil électoral provisoire. Donc les organisations des femmes ne sont pas éligibles à participer dans l'élection secteur. Donc c'était des dossiers, dès le départ, qui devaient déclarer des dossiers irrecevables, mais qui validaient par OCNH, donc qui ont autorisation pour voter et de fait, en pile voter. L'autre raison nous rejeter l'élection, ça a gagné au moins une organisation qui a évolué dans le secteur presse-là, qui validait par OCNH. L'Observatoire haïtien pour les droits et la liberté de la presse. Donc, qui va conserver, qui est éligible pour voter dans l'élection. Qui est validé par OCNH et liste ensemble organisations qui valident, il n'en nous, nous passons au liste après toute organisation qui est validée par l'OCNH. Raison encore qui fait nous rejeter choix ça, c'est qu'il y a au moins des organisations, des structures que nous connaissons, qui reconnaissent comme de organisations sociopolitiques qui validées par l'OCNH pour voter dans l'élection réalisée 26 août. Qui déstructure ça y est, c'est Combi pour sauver Haïti, c'est une organisation sociopolitique, on ça, il y a un mouvement pour défense de la Tibonite, qui c'est une organisation sociopolitique qui validée et qui votée dans l'élection OCNH réalisée. Alors, il faut nous rappeler, travail d'analyse ça, et classification ça à PYHDH FEA, il y a une importance capitale. Pour qui ça, j'aime d'abord dire italien, nous connaissons au niveau secteur femmes, secteur paysan, la presse, syndicat, CPTA, désigné des organisations pour mener le processus ça. Et il y a un processus qui a mené beaucoup de pays pour capable de désigner les représentants pour aller dans le conseil électoral provisoire. Ça veut dire, structure ça, c'est des organisations de femmes, organisations qui ont évolué dans les médias, organisations sociopolitiques, qui n'ont pas éligible pour participer dans le processus d'organisation sécuritaire. Mais de fait, au CNH validé, ça veut dire ben, au mandat autorisé à participer, l'autorisé à voter. L'autre raison que nous avons choisi choix, ça, parmi les critères qui ont gagné pour le processus, j'ai aussi souligné, bon critère consensuel. C'était 3 ans minimum pour l'organisation doit gagner pour les participer dans le processus. Et nous dit son critère consensuel. Mais dans le processus, parmi 107 organisations au CNH validées, gagner au moins 12 qui n'ont pas respecté le critère 3 ans
Ça veut dire qu'il n'y a pas 3 ans qui n'est pas autorisé à participer dans le processus là, mais nous valider par le CNH. Qui les organisations ça y est? Gagner Association des citoyens pour la protection efficace des consommateurs, lui-même qui a enregistré le 7 février 2023, et n'a pas les deux élections qui fait le 26 août 2024. Donc, d'après document enregistrement, il n'y a pas gagné 3 ans. Gagner Association des jeunes pour l'épanouissement social des communautés haïtiennes et la protection des femmes, qui a enregistré le 2 août 2024, élection en fait 26 août. Gagner Association des jeunes pour le développement des petites rivières d'Atibonite, qui a enregistré le 8 février 2022. Gagner Association dévouée pour l'avancement communautaire du Roi Atibonite, qui a enregistré le 30 juin 2022. Gagner Association pour l'épanouissement des personnes handicapées, enregistré le 16 novembre 2022. Gagner Bureau d'aide juridique d'Haïti, qui a enregistré le 31 mai 2022. Gagner Centre de promotion des droits humains et du leadership haïtien, qui a enregistré le 21 juin 2023. Gagner Organisation des femmes décidées pour le développement des terres d'œuvre, qui a enregistré le 24 juin 2022. Gagner des règles avant qu'on passe pour l'organisation, ça, non seulement c'est l'organisation femme. Il n'est pas concerné, mais en plus, il n'est pas respecté plus de 3 ans en plus. Et qui est validé par l'OCNH. Gagner organisation du mouvement intégré, qui est enregistré le 31 janvier 2022. Gagner plateforme des femmes de Saint-Michel de la Talaye, qui est enregistré le 23 février 2023. Gagner Union des femmes pour une nouvelle Haïti, qui est enregistré le 2 août 2022. Gagner Union nationale des avocats progressistes pour l'avancement d'Haïti, qui est enregistré le 13 juillet 2022. Donc, c'est 12 organisations qui sont validées par le CNH et qui pas respecté critères consensuels. Donc, au CNH, tout simplement rejeté critères qui ont été adoptés ensemble qui permettent aux organisations de une validation dans le processus. L'autre raison qui est fondamentale que nous rejeté choix ça. Gagné un grille d'évaluation que nous élaborons le 20 août. Et dans le grille, ça, nous entendons pour nous procéder à la vérification des missions de l'organisation et adresse physique organisation. Pour qui ça, une vérification mission organisation est importante? Parce que qui ça fait qu'on est pour organisation, c'est organisation pour le monde, c'est mission. Et les organisations. Il ne permet pas de soumettre des documents qui permettent de vérifier la mission, eh bien, on est capable de demander des documents ça pour assurer qu'elle vérifie la mission organisation, pour qu'effectivement, c'est des organisations droit monde qui participent dans le processus. Eh bien, au CNH, pas d'accord que nous procédions à la vérification de mission, et en même temps, pour nous faire vérification adresse physique organisation, il n'est pas d'accord qu'elle fait ça, parce que c'est comme ça. Nous arrivons. Parmi les organisations, il y a 17 structures qui sont dans la province. Alors, on a souligné par rapport avec la confusion à Marc-Gamé-Prié, POHDH qui gagne cette organisation, mais parmi les organisations POHDH, il y a des organisations qui ont des couvertures nationales qui ont fait intervention dans tout le pays, dans tous 10 départements pays. Nous connaissons le pays, nous connaissons la réalité du pays, nous connaissons les communes, nous connaissons la réalité de la commune et nous connaissons les structures qui ont évolué dans la commune. Donc, c'est pour préjugé de gagner par rapport à l'organisation en province. Au contraire, nous travaillons pendant plus de 32 ans pour l'OGH avec des organisations en province, des organisations communautaires de base qui travaillent en province, nous formons. Organisation de base en province. Donc, nous connaissons bien de qui ça n'a pas l'air. Donc, il n'y a pas fait vérification et physique. Et parmi 17 organisations en province, il y a 7 qui sont dans la Tibonite, particulièrement Gonaïve et Saint-Michel, Terre-Neuve, c'est des zones qui connaissent. C'est dommage qu'il y ait des gens, soit parce qu'ils ont des influences dans la zone Sayo, ou bien qui sont dans la zone Sayo. Et qui mobilisait des structures communautaires et fait au mandat et voter pour nous dans la mascarade que nous avons réalisé. Les critères d'éligibilité pour l'organisation participative ne sont pas respectés et qu'il y a plusieurs organisations de femmes qui ont CNH validées,
organisation qui pas gain 3 ans qui est validée, organisation média et qui est validée, organisation sociopolitique qui est validée. Donc pour raison ça nous rejeter sélection qui aboutit à gérer l'argent comme représentant et secteur de Mouna dans le conseil électoral provisoire. Depuis l'aide dont nous recevons, qui fait choix de l'OAGH, il y a ensemble organisation qui était en copie. Donc, SKL, qui est membre de l'OAGH, a commandé pour qu'il soit avec l'OAGH, j'ai dit SKL, en copie. Depuis là, nous avons questionné ça, il était question pour nous, il y a une manœuvre. Mais ce qui est important, au niveau de l'OAGH, qui a des espaces démocratiques, qui a des mécanismes de discussion à chaque fois que l'OAGH a fait face à des situations, l'OAGH a traité des questions ça, à travers l'espace démocratique, mécanisme, les guerres, ça. Très bientôt, l'opinion publique là, à propos moi, les décisions PEHDH sur question ça par rapport avec l'ESCA. Et proposition concernant. Option pour que le secteur de la vie nous aille au vote. Vous prenez. Le 10 septembre 2024, là, PEHDH fait sortir un mémoire. Côté que l'IWE tracé, nous avons dit tout le mouvement, depuis le moment que le CPT a fait choix de lui-même avec OCNH pour mener le processus là, jusqu'à un moment arrivé, côté que arrêté sorti avec nous, 7 membres qui fait partie du Conseil électoral provisoire. Et dans le mémoire, ça a justement, en termes de recommandations, nous proposer CPTA pour lui faire choix d'organisation qui a défendu le droit de monde qui a vivre avec le handicap. Et donc, nous sommes capables de dire que c'est un choix que nous réfléchissons pile sous lui avant que le faire. Et en fait, c'est un choix tout qui n'est pas retiré dans le secteur de droit de monde dans le processus là, mais qui peut être visé. Ils ont parti dans le secteur de droit maintenant qui toujours montré que il y a plus de sérénité et de toute façon tout qui toujours oublié donc puisque autorité l'État n'a pas jamais rappelé l'occasion pour dire qu'il y a bataille pour l'intégration de monde qui a vivre avec un handicap puisque nous connaissons que Haïti ratifié convention sur justement intégration de monde qui a vivre avec un handicap puisque il a dit que eh bien que le gouvernement ça c'est un gouvernement qui est ouvert et que il voulait que tout le monde impliqué donc nous pensons que meilleure preuve que capable faire c'est vraiment faire choix de monde qui a vivre avec une organisation de monde qui a vivre avec un handicap yo. Et qui c'est des organisations de promotion et de défense des droits humains tout, sauf que même spécifique. Et nous pensons que c'est un bon choix. Actuellement, c'est une recommandation, c'est un conseil. Et seulement, ça nous capable de dire bon côté qui est dans le conseil, ça, c'est que nous plus ou moins montrer de manière globale CPTA vers qui ça comme solution que tu as aimé que tu as. Tout de suite, nous sortons dans et Doziza, il cause aller. Haïti a payé difficile. On fait transition bien rapide, non? On va aller devant l'église Saint-Michel dans Fontamara, côté à travers un programme qui est le marché contre CAS mette sous pied. Eh bien, divers malheureux malheureux déjà joué quelques activités, mais il y a quelques nan autour qui pas satisfait. Façon baga la fête, là, il est obligé de prendre micro la presse. Nous, là, devant Fontamara, mesdames, messieurs, on regarde comme ça. Ça me fait deux années que j'ai mis volé. Mais pour éviter que mes soeurs, mes petits garçons dans la gueule, dans le cocorat, pour y aller prendre un gros caillou encore, c'est les mêmes gens. Ils n'ont pas de l'adolescence. Même grand bois, tout y est, misère, tout y est, même besoin de manger pour manger à tout le monde. Combien de temps vous avez? 6 mois, ça fait 7 ans. Vous avez fait 7 ans. Vous avez fait 7 ans. Oui, ça fait 7 ans. Nous cherchons la vie de tout le monde, vagabond, grosse moins. Mais vous avez tout le monde, qui l'a joué? Qui l'a joué? Après, vous avez 14 ans. Deuxième, vous avez 13 ans. Troisième nage 12 ans. Quatrième nage 8 ans. Cinquième nage 6 ans. Mais ça même nage 1 an. Et vous en êtes là encore, oui? Oui. À quoi vous avez fait ce monde? Hein? À deux papa. Mais où tu vas pas avoir Guinness, pas Guinness? Ah, ma conne. Chaque salaire va avoir Guinness, ça continue à faire. Moi-même qui toujours qu'on le fait, on y a la chaque là, on voit même dans le bureau, on va avoir un jeune à Guinness.
On est connu à Messie, là, ils viennent, ça fait naissance au bout. Oui, pour me faire des naissances. Oui. Autant pour ces AES passer, oui. Parce que mal les AES, des fois, je ne vais pas entrer. Avant, il y a toute la boue après, je vais tomber dans la boue, ces AES, je ne vais pas entrer. Mais il faut s'en rester entrer parce que vous ne la caillez. Oh oui, je suis content, je suis content. Parce que je viens de la caille, moi. Je vais rester voir la caille, moi. La peau. Qui va être mon nom? Alta grâce! Vous avez chose ça? Non, je n'ai pas de chose dans ça parce que je ne peux pas corriger. Et demander, m'a demandé. Et bien, je vais bien pour manger. Ça vous va, madame? Tu aimes toutes nos cocom. Qui soit quand même un CAS fait pour vous, madame? Quand même les deux. Maintenant, qui passe quand même un CAS fait pour vous? Donc, vous dites-nous, pour qui raison vous ne pas à l'école? Non, fameuse. Tamara, et avec le programme Marché Contré, CAS mettez sous pied. Dis-nous, qui ça va là? Est-ce qu'on va avoir une difficulté pour devenir Tamara pour Gamza? Bon, moi-même, en tant que j'avais la maison, si on est citoyen qui habite Tamara, et je dis à moi là, en tant que coordinateur biotechnique CAS, présence là, parce que nous voulons dire ça. Le programme Marché Contré, à qui ça lié? C'est un programme que nous baptisons côté que à l'occasion pour les gens qui sont plus vulnérables, les gens qui sont plus négligés dans la société. Bon, après nous lancer ce programme, ça, Alta Grâce. Jeudi, nous présentons Fontamara. Si nous présentons Fontamara, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de pas chercher les gens parce que nous disons que le programme c'est Marché Contré. Nous avons plusieurs services. Jean nous commence à faire déjà en pile mon Noël. Nous avons eu des naissances. Nous faisons un cadre électoral pour les gens qui ne sont pas des pièces. Et le travail, ça, il fait des concerts, c'est service social, biotechnique, qui couvre l'activité. Je dis à la présence de DG Eleonore de Vallon, Junior César, qui t'a choisi avec nous, qui n'est pas présent avec nous là. Mais moi-même, en tant que coordinateur, je suis présent là avec tout agent social qui a gagné là, juste pour nous faire un programme là, arriver dans l'objectif, dans le but que nous avons créé là. Ça nous crée là pour les gens qui sont plus vulnérables, les gens qui ont toujours besoin, les gens qui sont plus négligents dans la société. C'est pour eux pour gagner. Je dis à nous devant Saint-Michel, dans Fontamara, les gens qui nous choisissent, comment nous choisissons? Nous ne pas choisissons pas les gens, pas. Nous venons devant l'église là. Ce n'est pas un leader qui mène, ce n'est pas un groupe qui mène. Nous juste venons rencontrer les gens pour nous garder besoin de nous. Ça qui est nécessité pour nous intégrer à l'allocation CAS. Là. Ça qui a besoin de subvention, nous prenons ces subventions. Ça qui a besoin d'allocation, nous prenons ces allocations. Elle veut dire, dans logique, pour nous faire CAS entrer dans le quartier populaire. CAS, nous avons des gens qui peuvent venir. Les gens qui ont bénéficié, dans combien de temps ont bénéficié de tout ça? Il y a bien besoin de nous. Automatiquement, nous venons là, nous sommes censés. Ça qui est tout OK, qui est matriculé, qui est un cadre électoral, il y a tout OK, il y a des bagages. Mais l'autre monde qui est poco, et qui matricule, nous avons des cas comme ça, qui va matriculer et qui doit pas une carte électorale, les gens ont fait pièce pour eux jusqu'à ce qu'ils soient intégrés dans le programme. Combien de gens nous souhaitent toucher aujourd'hui? Aujourd'hui, nous souhaitons toucher environ 400 personnes. 400 personnes, mais les gens qui ont reçu, combien de gens ont reçu comme ça? Combien de gens ont reçu comme ça? Combien de gens ont reçu comme ça? Non, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire distribution de l'argent. Ok? Nous sommes dans la logique. Nous. Tout le monde connaît la mission CAS. CAS a une allocation bénéficiaire qui est 4 000 gouttes, que les gens ont toujours bénéficié. Et il y a des gens qui sont déplacés, qui sont la caille, pas la caille. Et je dis à des gens qui ont plusieurs personnes. Et je dis à l'autre cas qui est très vulnérable, qui ont un handicap, qui ont un problème quelconque.
nous supposons supporter dans le niveau CAS doit supporter. Bah, CAS là pour ça. C'est pour ça que nous-mêmes nous travaillons là. C'est pour ça que nous venons plus près la population. Il y a besoin de 4000 gouttes là chaque mois, c'est ça ou chaque année? Chaque mois, il y a besoin de BCAS fait payroll, il y a intégré dans la location, il y a besoin d'intégrer. Nous avons un problème pour la solution. Combien de monde gagne? Allez-y, juste moi 7 là. Ça veut dire qu'on va pour papa. Il y a un petit monde qui va gagner de naissance. Allez-y, vous mettez campé là. Je dis à notre père pour vous. Et nous avons joindre là. Nous avons un rendez-vous avec le CRS. Et le CRS a dit qui ça l'a fait. Ok, oui. CAS assume responsable du fait de ces petits minutes. Mon famille qui insiste mon adam. Qui parle papa et maman et papa. Nous avons support moral, nous avons support technique. Et CAS doit accompagner le niveau qu'elle est capable. C'est sa mission. La première mission CAS. Devant l'église, on a dormi là? Oui, devant l'église, on a dormi depuis hier là, sans manger. Nous pas gagné personne. Depuis avant, il y a nous là. Mais et programme ça au bout de pour nous là, et comme il va le bail là, oui, Nous avons mangé, nous avons mangé.
Donc on va passer à l'interne pour une CRS. On va passer à une CRS pour un autre qui a une CRS spectacle. Dans l'église Saint-Charles là nous, nous pas gagne personne. Il y a pas jambe porter ba nous dans l'église Saint-Charles là. Si vous ne pas l'école, nous pas rien et tout ça, nous pas rien. Nous pas gagne l'école, nous pas gagne sous moi. Sous moi. On misère n'a pas passé. La place est caille nous. Nous pas gagne la main nous. Dans l'église Saint-Joseph m'a dormi, si chap touré nous, pour n'am vinn mande charité pour m'ba ti moun yo manger. Pas gagne personne même l'école yo va caler. On est capé de mari, m'ka fait des motiers. Si cha vidéo à terre. Dans qui zone ça va se? Saint-Joseph. Depuis avant, je me suis couché là, je me suis fait là, je suis venu prendre repos, je suis côté pour me prendre repos encore. Mais ma tout petit monde, je ne suis pas venu prendre repos. 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 Donc, vous appuyez nous. Vous dire parlez pour nous prouver Jésus dans l'église là. Parce que nous allons gagner notre monde encore. Et Ticha, chaque jour Ticha vient tirer sur nous en bas. Nous allons gagner la main nous. Pour venir nous en bas. Les fêtes là finies là, nous allons côté nous voir. Nous allons retourner dans l'église là encore. Mais c'est à l'esprit de malade. Nous disons à l'esprit de nous dormir. Vous savez, ça passe. Oui. Parlez. Qui soit quand même ici à SF pour vous, madame. Quand même les deux. Maintenant, qui passe quand même ici à SF? Donc, vous dites-nous, pour qui les autres, si vous ne parlez pas à l'école? Non, fermé. Mettez-vous les cannes. Oui.
C'était un plaisir, comme d'habitude, pour m'être ensemble avec vous. Restez connectés avec Chanel Pola pour une autre émission. Bye bye.